Entrer dans l'atelier de Spencer Hodge, c'est découvrir une véritable ménagerie de tableaux. Le style du peintre anglais est reconnaissable par la précision presque photographique de ses œuvres. Reconnu dans le monde entier en tant qu'artiste animalier, il s'est installé dans le Tarn il y a 5 ans. Les sujets de ses tableaux sont principalement des animaux exotiques, observés lors de voyages en safari. Quelquefois, on voit les choses qui sont tellement beaux qu'on ne respire plus. Alors cet sentiment, cet feeling, si on arrive à prendre juste un peu de ça, le ramener ici et de mettre un seul goutte dans un toit, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut échanger. C'est lisible pour tout le monde. Pour son œuvre la plus récente, l'artiste a choisi d'immortaliser une faune plus locale. Celle-là, par exemple, je l'ai vue dans le jardin, c'est une grande rareté. C'est le Milan à l'épaule noire. Ce tableau représente les animaux que l'on peut retrouver autour du village de Lacougotte-Cadoule. Spencer Hodge en a fait don à la mairie, l'occasion pour les habitants de découvrir des animaux familiers d'une nouvelle manière. Ils viennent regarder sur tous les détails, découvrir quelques animaux qu'ils peut-être encore tous ne connaissent pas, quelques animaux que nous avons dans notre nature locale. Vous voyez la genette par exemple, n'était pas connue encore de personne qui était là présente avec nous ce matin. On dirait une photo si vous voulez, tout est vrai. Et l'attitude de tous les animaux, ce sont des attitudes vraies que je vois dans la campagne, que je reconnais. La toile est dédicacée aux enfants de l'école du village.